et 500 personnes ont montré leur opposition à la loi 78 et à la hausse des frais de scolarité en manifestant dans la joie et dans le bruit jeudi soir dans les rues de Granby. Au passage des manifestants, bon nombre de citoyens sont sortis sur les balcons et dans les rues armés de casseroles et de cuillères en bois afin de supporter l'imposant cortège. Le trajet de 9 km n'a pas découragé les manifestants qui ont scandé avec ardeur des slogans tout au long du parcours. Certains automobilistes se sont retrouvés malgré eux pris dans la cohue. Un sit-in a également été fait devant les bureaux du député François Bonnardel. Après avoir emprunté la rue principale, le boulevard Leclerc, la rue Dauphine et encore la rue principale, la manifestation s'est conclue dans le stationnement des galeries de Granby. L'organisateur Tristan Rivard a appelé à la mobilisation hebdomadaire. Les citoyens de la région ont donc rendez-vous jeudi prochain à 20h dans le stationnement du centre commercial.